restez bien avec nous, bien entendu. La cérémonie de clôture de cette saison à domicile, c'est avec nous. Vous êtes incroyables! Vous êtes incroyables! Applaudissez bien entendu le Lille Métropole Basket sous vos applaudissements. Ils nous ont fait vibrer. Merci aux supporters de Lille. Vous avez été au top ce soir comme d'habitude. On se retrouve l'année prochaine à Promé avec des grands derbys. Oui. La belle slide, c'est maintenant. Je n'ai pas entendu, mesdames et messieurs, ici, 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 ici. On va pouvoir regagner sa place, mesdames et messieurs, restez bien avec nous. Cérémonie de clôture de cette saison à domicile. Vous avez été plus que formidables ce soir. Vous avez répondu présent. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, on va faire, promis, on va faire la fête ensemble. Tout ce que je vous demande, s'il vous plaît, c'est de libérer le terrain et de vous mettre sur les côtés et de rester quelques minutes dans la salle parce qu'on a plein de choses à vous dire et plein de choses à fêter ensemble. Alors, s'il vous plaît, mettez-vous sur les côtés du terrain. Mettez-vous sur les côtés du terrain. Et les joueurs dans le vestiaire, s'il vous plaît. Ça va, le match. Nico, coupe la musique. S'il vous plaît, les joueurs dans le vestiaire, s'il vous plaît. Les joueurs dans le vestiaire, les supporters, mettez-vous sur le bord du terrain. Promis, on revient tout de suite, on va faire la fête ensemble. Mettez-vous juste sur le bord du terrain, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On vous demande de juste rester sur les bords du terrain. Les joueurs vont juste aller dans le vestiaire pour écouter le discours du coach. Et ensuite, on revient sur le terrain, s'il vous plaît.
s'il vous plaît, de vous mettre sur les côtés. Promis, les joueurs vont revenir, mais on a quelque chose à vous dire d'important. Allez, mesdames et messieurs. Allez, mesdames et messieurs. Allez, on va pouvoir continuer la soirée. Les joueurs qui sont rentrés dans les vestiaires, ils vont revenir, bien entendu. Merci, les gars. Merci. Merci. On va rejoindre, juste laisser de l'espace pour que les joueurs puissent revenir. On a plein de surprises pour vous, bien entendu, vous l'avez compris, on a gagné ce soir, c'est grâce à vous toutes et tous. Les joueurs qui sont prêts à revenir, et vous, est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? Je... Pourquoi? Parce que ici, 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 ça va être le moment de retour des joueurs. Ils sont en train de donner les dernières consignes dans les vestiaires. Mais juste avant, vous l'avez bien mérité. Notre... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on me dit qu'ils sont en train de se rafraîchir. Ben oui, ils ont le droit aussi de se rafraîchir. Quel match de ouf on a vécu! Quel match d'enfer ce soir! Comme on peut le dire, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne! Alors maintenant que vous avez compris, on va le refaire tous ensemble. Un derby, ça ne se joue pas, ça se... Ça se... Merci. Merci à tous d'être venus si nombreux. On l'avait dit, dans le malheur ou dans la gloire. Alors, on a des choses à vous dire tout de suite. Je vais vous demander d'abord de regarder les écrans. De regarder les écrans. Et juste après la vidéo, on accueillera ici votre équipe. Mais je vous demande de ne pas sauter sur le terrain puisqu'on a une dernière personne à accueillir. Ok ? La vidéo sur vos grands écrans avec vous.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, restez dans le noir, restez dans le noir. Je veux voir tous les flashs des téléphones en l'air. Je veux voir tout le monde les flashs des téléphones. C'est bon. Yeah.
Mesdames, messieurs, c'est pas fini. C'est pas fini. Bravo, bravo. Yoann, s'il vous plaît. Allez, on écoute, mesdames et messieurs, on prend l'espace. On a quelque chose de très important à vous dire. On a quelque chose à fêter ensemble. Je laisse la parole au président et je vous demande s'il vous plaît de nous laisser terminer, s'il vous plaît. Merci. Merci à tous. Merci. On en a bavé toute cette saison. On est monté par de très haut, par de très bas. On a été fidèles à nos valeurs, on a été fidèles à notre histoire. S'il vous plaît. Je vous demande de reculer. Sinon, on va devoir partir et aller dans le vestiaire et faire ça ensemble. On a envie de faire quelque chose et de vous annoncer quelque chose, mais on a envie de le partager avec vous. Et pour le partager, il faut vraiment vous laisser de la place au milieu, sinon on ne peut pas le faire. Allez, mesdames et messieurs, merci de reculer un petit peu, s'il vous plaît. Respectons les consignes de notre génération. S'il vous plaît, c'est pas le moment des photos. Non. Bon. Je vais la faire donc très courte, mais je pense que ce que je vais vous dire va marquer l'histoire du club. Alors c'est pas une mauvaise nouvelle, mais c'est une nouvelle comme il en existe dans la vie des sportifs professionnels, dans la vie des clubs de haut niveau. Je voulais juste vous dire que ce soir, c'est un peu émouvant pour moi aussi. C'était le dernier match de Rémi Vallin comme coach à domicile. Et je vous demande de l'applaudir. Un premier applaudissement pour monsieur Rémi Vallin. Alors vous l'avez bien compris, si Rémi nous quitte, c'est pas parce qu'on s'entend pas a priori, c'est pas parce que cette salle ne va pas lui manquer, je pense que cette salle va beaucoup lui manquer. Je vais vous faire un aveu, j'ai plutôt l'habitude de faire des discours et de faire des interventions. Cette intervention, j'avais refusé de la préparer dans ma tête, ce qui veut dire que je vais faire preuve d'une grande lâcheté en donnant tout de suite la parole à Rémi. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais qu'on ait quelques instants, non pas de minutes de silence, c'est pas du tout l'ambiance qui nous réunit ce soir, mais que pendant quelques secondes,
On se remémore ce qu'ont été les années Valin à Denain, un des plus petits budgets de la Pro B. On a karaoké, on a caracolé en haut de la division. On a gagné la Leaders Cup avec toi, Rémi. On l'oublie, mais c'était pas il y a si longtemps. On a vécu deux saisons de Covid absolument épouvantables qui auraient mis par terre plus d'un coach de haut niveau. Et cette saison, c'est la saison où j'ai la plus vécue avec Rémi, puisqu'on l'a vécue de août à maintenant. On est passé par des ascenseurs émotionnels, on est passé par des moments de doute, on est passé par des moments où nous-mêmes, parfois, on ne croyait plus en nous, tellement l'adversité était forte, tellement la difficulté était importante. Alors je vais conclure mon propos, je vais passer la parole au coach, mais en tout cas je sais une chose, je ne sais pas quelle sera votre carrière dans le basket français, Rémi, mais j'aimerais bien être à la place du président qui va vous signer pour la saison prochaine, parce qu'un coach comme ça, je crois que dans sa vie, c'est difficile d'en rencontrer plus qu'un. Moi je l'ai rencontré, on a bossé 3 ans ensemble, ça a été des années formidables, j'ai un pincement au cœur, mais vous connaissez la vie du sport professionnel. Il faut évoluer, il faut se fixer de nouveaux challenges. Et au moment où Rémi se fixe un nouveau challenge, ben, j'aimerais vraiment... J'ai trouvé tout à l'heure vos applaudissements un peu timides. J'aimerais que cette salle explose de vos applaudissements pour notre coach, pour Rémi Valin. La deuxième des raisons, c'est qu'elle m'a glissé à l'oreille ce qu'elle se comptait dire. Et je pense que ça va faire un happy end au niveau de votre carrière, coach. Alors, pas au niveau de la carrière, coach, mais pour Denain. Au nom de toutes les Denaisiennes, tous les Denaisiens, celles et ceux qui aiment ce sport, aiment cette ville. En tant que maire de la ville, Rémi, ce soir, je vous annonce que, pour toujours, vous êtes citoyen d'honneur de la ville de Denain. Denaisien, aujourd'hui, Denaisien pour toujours. Bravo Rémi. Denain, c'est mon terre. Liberté, qui mériterait d'être dans le journal, la la la, la 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 la, dans le journal, dans le journal, dans le journal de Pierre, la 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 la, la 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 la. Et peut-être plus sur Canal Plus. Bonsoir, je vous remercie président pour tous ces mots. Annelise aussi. Ça fait vraiment chaud au cœur et vous l'avez compris à ma réaction à la fin. Ça aurait été trop dur pour moi de partir sur une défaite pour le club. On s'est battu toute la saison pour arriver à cette victoire et espérer au maintien. Il y a de bonnes chances qu'on l'ait là ce soir avec un scénario qu'on voit que dans les films hollywoodiens. Ouais. Mathieu, voilà, il a été exceptionnel ce soir avec les tirs de foot. Maintenant, dans ma vie, j'ai fait 9 ans à Évreux, c'était mon club de cœur. Je suis parti d'Évreux, pareil, avec un hommage. Et je me disais, je sais pas si un jour je revivrai ça dans ma carrière. Parce que la plupart du temps, les coachs, ils partent, il n'y a pas d'hommage, ou ils sont coupés. Et là, j'ai cette chance inouïe, véritablement inouïe, de pouvoir partager ça avec vous. Et c'est un privilège qui est incroyable. Et je vous remercie vraiment tous. Et moi, je fais du sport pour ça. Je ne fais pas du sport pour l'argent. Je ne fais pas du sport pour briller.
je fais du sport pour vivre ce qu'on vient de vivre là ce soir. Et je pense que vous tous et tous les joueurs, vous vous souviendrez de cette soirée qui est absolument incroyable. C'est ce qu'on doit tous retenir. Le sport, c'est pas que de l'argent, le sport, c'est des valeurs. C'est du don de soi, c'est tout ce qu'on a vu ce soir avec cette équipe, comme le président l'a dit. Il y a eu des hauts et des bas, mais ce soir, il fallait être là. Ils auraient été là, et à l'image de Mathieu, qui, à mon avis, ne fera jamais ça de sa carrière, tellement c'est incroyable. Mais merci à vous tous, j'ai passé 5 ans fabuleux. Merci.